Bonjour monsieur. Bonjour Thérèse. Comment allez-vous? Je vais très bien parce que nous avons fait un repas très sympathique. Je suis tout à fait d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un peu de la Corse? Quelles sont les caractéristiques? Alors, on peut dire très simplement, et bien que ce soit simple, c'est très vrai, il y a une expression qui dit la Corse, c'est une montagne dans la mer. Et c'est très vrai parce que c'est une île, donc entourée d'eau, comme on le sait, mais que dès qu'on quitte le rivage, sauf sur la côte orientale, où il y a vraiment une plaine et quelques kilomètres de basse montagne, on est tout de suite dans la haute montagne. Et dès qu'on est dans la Corse intérieure, on constate que ce n'est que une succession de vallées, parce que les montagnes sont assez hautes, et une succession de microclimats, parce que chaque vallée a son climat. Et c'est pourquoi on est dans des différences de température très très fortes, de la montagne à la vallée, et parce que rien qu'au centre de la Corse, sur un rayon de 20 km, même pas, on a plus de 100 sommets qui dépassent les 2000 mètres d'altitude, ce qui est quand même considérable sur un petit terrain. Et c'est pourquoi, une petite superficie, et c'est pourquoi on dit, en Corse, on reconnaît les odeurs et à cause de la différence de végétation d'une vallée à l'autre et d'une région à l'autre.